Je suis partie au bout de 2 ans parce que j'avais un manager qui ne convenait pas et qui se comportait mal. Ton entreprise, donc, où est-ce que tu en es là aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je l'ai arrêtée. Je faisais beaucoup d'insomnie. Je me suis rendu compte que l'insécurité financière, ça pour moi, c'était trop lourd. Et on nous dit, c'est facile de faire un site internet. Bah non. Quand on met le nez dedans, bah, c'est pas si simple. Et ça me plaît pas assez pour que j'y passe toute mon énergie. Je me suis dit, le salariat, ça a aussi un certain confort. Tu entreprends sur d'autres projets perso. Ouais. Le but, c'était de faire des soirées donc, pour les femmes, pour discuter de sujets qui nous tiennent à cœur, mais qu'on n'a pas forcément le temps de discuter. Moi, je m'épanouis en dehors du travail. Et je pense que mon côté entrepreneurial va se développer dans l'associatif ou dans d'autres choses. J'accepte ce qui est passé et je fais avec ce qui a eu lieu et pour soit changer les choses après, soit évoluer. Tu as quand même tiré pas mal de leçons à ça. Quand même.